Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Tu connais les Diefenbachia? Pas vraiment, non. Les Diefenbachia sont très toxiques. On les appelle aussi couramment la canne du muet. Tu as une idée? Quoi? Pourquoi? Eh bien, on dit qu'autrefois, dans les plantations de coton, on donnait des petits morceaux de... des petits morceaux, des petits fragments, tu vois, de cette plante aux esclaves. Ils mettaient ce petit morceau dans la bouche et ils avaient des œdèmes. Ça les empêchait de parler. Ils étaient obligés de travailler. C'est terrible, hein. C'est une plante très courante dans les appartements et les enfants mettaient les feuilles à la bouche et se retrouvaient à l'hôpital, la bouche complètement gonflée. Voilà. Mais c'est pas mortel quand même. Non, mais bon... C'est dangereux. Voilà, on regarde, on ne touche pas, on ne mange pas. Mais c'est commun la toxicité chez les aracées ou oui, c'est... Ça, oui, on retrouve chez les arômes maculatum, ce qu'on appelle le pied de veau ou le gouet. On retrouve ces plantes-là dans nos forêts. Hein, et donc, c'est vrai qu'en automne, lorsqu'il y a les petites baies rouges, les enfants sont attirés. Donc oui, il faut faire très attention.